Bon, je continue mon challenge, les gars. Le challenge consiste à faire une victoire avec l'arme d'un abonné. On commence avec deux classes. Oudi Vidéo avec une Striker et Chenipan avec une SVA. Les stations de ravitaillement est en approche. Mais... Je vous le dis les gars, je passe en mode pas content, j'ai envie d'y arriver. Le jeu il veut me voir crever. Contrat prioritaire terminé. Ok, je viens de réussir. Ça brûle en enfer, sale chien. Waouh, c'est quoi tous ces ravus? Péfut? Mais non. T'as peut-être vu mon message toi coquin. Bah merci beaucoup pour le raid de ta commu. Bienvenue à ta commu. Mais ça me ferait plaisir qu'on joue ensemble. Histoire de se faire ban de Twitch pendant une semaine. Là en gros ce que je suis en train de faire c'est... Il y a les gars de YouTube qui ont donné des classes, je les ai équipés et je dois essayer de gagner avec. Mais je suis quand même capable de faire ça, tu vois. J'aurais pas dû. L'objectif, ça va être de gagner avec l'arme de chenipan et de housse. Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Ah. Je pense que ça va bien se passer. T'es une machine de guerre, toi. Oh, Ravus. Mais attends, mais y'a Ravus et Péfut. Le baiser interstellaire, gros. Ah, là, j'ai du beau monde. Ça me fait plaisir, les gars. Le rebond. Oh. Et il est où? Il est passé où? Ah là, on est sur deux chibres de gros calibre quand même les gars qui nous ont raid. Je suis pas sûr de moi, mais il y a un monde. Pas dans cette dimension. En fait, avec une PS4, t'as 80 de FOV, moins large, tu vois. Ce qui fait que là, normalement... Alors lui, c'était pas le... C'était pas le couteau plus aiguisé du tiroir, gros. Il y en a un autre derrière moi. Un mec là en dessous qui m'a allumé. Oh, ça achète des skins et tout ici. Petite bite. Tout se passe très très bien. En fait, j'ai envie de rentrer ça. Ah bah voilà. Suffit d'en parler, chat. Je pense qu'on peut le rentrer en back-to-back ou je vais crever. Le gaz se rapproche. Allez à la nouvelle zone de sécurité.
Il se passe quoi lui dans sa tête hein? T'es pas net Daniel. Je suis passé d'une bande de lobby ultra méga énervée à ça. Intervention tactique messieurs. Il y a du monde à swatter. La résurgence est sur le point d'être désactivée. Je me suis pris pour la BRI chat. Oh, ça c'est bien. Ah, on sait où maintenant. Ah, c'est ce bâtiment. Ah, ça veut dire qu'il est là. Ah, dans la pièce. T'as un truc dans le front, frérot. Il y a un autre mec qui arrive derrière moi. Il y en a un qui s'enfuit. Le reste de son est... Touche pas à mon frag, touche pas à mon frag. Je te couvre, je te couvre, je te couvre. Ranime-toi. Oh merde, il est mort. Il est carrément mort, chat. Oh l'enfoiré. Il me semble qu'il y a un mec par là. C'est un leurre là à gauche. Ah c'est toi qui t'es campé dans le gaz. Ah cette arme elle pue la merde aussi. Fin de la résurgence. Il n'y aura plus de seconde chance. Licorne. Ah. Attention, station de ravitaillement en approche. Putain mais j'ai des paralysantes. Et heureusement qu'il y a... heureusement qu'on a équipé ces deux armes ensemble. Quelle saloperie sinon. Voilà, je vais me la jouer agriculteur en colère. Vous l'avez vu courir lui au-dessus? On lâche pas les gars, on lâche pas. Le couteau, il passe pas. Il a un shotgun, on se méfie. Ok, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire actuellement. Hop, on va mettre un petit drone. On grimpe. Ok, c'est fait un peu allumer, c'est rien. Y'a un mec en dessous de moi. Ok, y'a un mec là. Un mec en dessous. Le mec en dessous risque de sortir par cette porte. Y'a un monde. Ah, il vient de sauter. Oh, sournois, va. Merde. J'ai glissé, capitaine. Je crois qu'il y a un mec dans le gaz. Le gaz avance, nouvelle zone de sécurité identifiée. Ok, le dernier il est à ma droite. Le gaz se déplace. Il est bien touché. Plus de balles. Amdoula Ravus la grosse tub. Pécut. Elle est pour vous celle-là messieurs. C'était la classe de Chenipan et Oudi, classe que je valide. Et là, on va partir maintenant sur une autre classe que je ne suis pas sûr de valider, mais que nous allons tester. Comment on propose une classe? En étant sur YouTube, poulet. Étape 1. 3500 balles. Tu commences direct avec 2 kills. T'as 5500 balles, 2 kills. Wow, wow, wow! Oh le couz!
Ok. Et là, c'est bon, on peut acheter, les gars. Ça va être sanguinaux, là, en chat, aujourd'hui. Bon, Dragon War. Allez, on part sur Dragon War, maintenant. Dragon War a proposé deux armes. Une VL-46 et un FGX Imperium. Elle sent le chibre fané, la classe de Dragon War. Je vais quand même pas faire genre que c'est pas possible de mettre un truc comme ça. C'est pas possible. C'est la VL. Je vais prendre des risques, les gars. Il y a un mec qui a atterri juste derrière moi, chat. Alors lui, gros. Alors, on est nul. Pour que je gagne avec ça, chat. Jésus, Allah, Bouddha, il faut tous les aimer, là. C'est encore lui. Plus que 25. C'est bien. Continue. Attends, je vais quand même regarder ce que j'ai pris, chat. Hein. Je... C'est l'arme de base du sol. Ok. Très très fort. Facile, hein. Belle élimination. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte tactique. Bonne chasse. Ça va aller facile, cette partie, hein. Attends, mais c'est moi ou ces deux joueurs, joueur A et joueur B, ne se tirent pas dessus alors qu'ils se voient. Sachant que l'autre joueur est à droite là. C'est sur lui que j'ai tiré. Mais c'est quoi ça? Ah si, il se tire dessus. Je suis rassuré. La corde maudite, hein. Gros, c'est... Elle est dure, cette corde. Elle est pas clémente avec moi pour le moment. Je l'ai quand même reprise, parce que je suis un mec de parole. Mais ma profonde pensée est que je vais mourir. Pompage.
Oh, mobilette! Ah, cogneux, tu casses les couilles! C'est toi qui casses les couilles là! Ça va ou quoi, Fana? Tu casses les couilles! Oh, enculé! C'est des boches, gros. Non. Quoi cette game, gros? Si je finis en 3-6 cut dans un lobby pareil, les gars, on fait quoi? Lui, il savait un peu, non? Il s'est servi de mes smokes pour avancer, gros. Défi validé, chat. J'ai quand même gagné, mais elle était dure celle-là. Allez, 3 balles de snipe à la fin, elles sont bien passées. Bon, mais les deux classes défis sont validées. Faut que Didier devait m'en envoyer une autre. Je vais la faire en direct live avec vous, celle-là. La dernière arme à essayer est une AMR-9, proposée par Noxar. Silencieux intégral tectonique. Elle est un peu bizarre là déjà l'arme. Laser Schlager Hulot. Poignée inclinée Bruen Bastion. Chargeur 50 balles. Tube rétractable démo 50. Ça marche ça? Ça marche hein? Le fait qu'il n'y ait pas de viseur me dérange un peu, mais ça a l'air de marcher. On commence bien. Attends, mais on joue au même jeu. En gros, le mec a atterri, il a chopé un snipe et une frappe de précision. C'est rien, Yann. C'est rien. Oh, bouge pas. Oh, toi, tu vas prendre pour les autres. Aïe. Y'a pas un autre mec genre collé là? Ah, je mets mes couilles à couper qu'il y a un mec à côté là. C'est dur chat, on souffre, c'est parti, on souffre. C'est de la game de souffrance là. Mais on abandonne pas chat, jamais. Ha ha ha.
On recommence. Cette arme est vraiment loin d'être dégueulasse, hein. Le gaz se rapproche. Allez à la nouvelle zone de sécurité. Ennemi déployé dans la zone. Fuyez le ciel. Oh là là. Je ramasse mes atouts, je ramasse mes atouts. J'ai tout ramassé. Soldat ennemi en approche. Désolé mon lapin. Putain. Je sais pas trop quoi dire. Oh. Désolé, Tom Sawyer. Comment je t'ai défoncé, mec? Profitez-en. Attention, le drone quitte la zone. Le gaz se rapproche. Ouf. Ah. Braderie terminée. Les prix ont été... Quelle merde. Sérieusement? Cible marquée! Envoyez un soutien aérien! Reçu. Phoenix 2-3 en approche. Frappe imminente. Il y avait un autre mec qui l'attendait dans le gaz, gros. Rate ça, gros. Non. Plus que 4. Restez concentrés. Mais pourquoi c'est remonté qu'à ça? Regardez comment c'est remonté! Regardez comment c'est remonté, gros! C'est remonté de 1 mm au lieu de remonter à 100! C'est quoi cette daube? Oh, le top 5 qui fait mal! Wesh, oh, René, hein. Rebranche l'aim assist, René, rebranche tout! C'est le robot! C'est le robot avec sa STB, il a gagné! C'est le robot, gros!
C'est le robot qui a gagné avec la STB. Incroyable.